Le Vieux Nice, qui est un quartier typique, très prisé des touristes, se trouve entre la colline du Château à l'est, et la place Masséna à l'ouest. Il est bordé par le quai des États-Unis, et le bord de mer au sud, et la place Garibaldi au nord. Ce quartier est desservi par deux arrêts de la ligne 1 du tramway, Opéra, Vieille Ville, et Cathédrale, Vieille Ville. Origine du Vieux Nice. Le Vieux Nice est le témoin d'un bon millénaire d'histoire. Les plus lointaines origines de la ville de Nice remontent à un comptoir grec appelé Nikaia. Ce nom, signifiant « la victorieuse », évolua en Nicéa, puis Nice. Néanmoins, la vieille ville ne présente aucun témoignage historique antérieur à l'an 975. À partir du Xe siècle, Nice est une petite ville médiévale, qui appartient au comté de Provence. Au XIIe siècle, la population, qui s'était installée sur la colline défendue par des fortifications, construites par le comte de Provence Alphonse d'Aragon, déborde hors de ses murailles, et s'installe sur les pentes occidentales, en direction du Paillon. Cette extension urbaine se poursuivra jusqu'au début du XVIe siècle. La ville basse est alors appelée la ville nouvelle. Elle présente déjà les rues étroites, les maisons élevées et serrées, caractéristiques du Vieux Nice. De nombreuses rues portent aujourd'hui encore leur nom médiéval. En 1388, Nice passe sous l'autorité du comte de Savoie, Amédée VII. Evolutions du Vieux Nice. Au XVIe siècle, le duc Emmanuel Philibert décide de renforcer la citadelle, et la ville est définitivement abandonnée par la population civile. En 1576, le siège épiscopal est transféré à l'église paroissiale de Sainte-Réparate. L'enceinte de la ville basse est entièrement remaniée sous la direction de l'ingénieur militaire Paciotto. Durant le XVIIe siècle, la ville est prospère grâce à son port franc. Elle se dote de nouveaux édifices religieux, comme l'église des Jésuites, l'église de l'Annonciation, ou la nouvelle cathédrale, qui sera appelée Sainte-Marie-Sainte-Réparate. Les familles de notables ou de nobles font également bâtir dans le Vieux Nice de belles maisons, comme le palais Lacari, situé dans la rue droite, alors rue principale de la ville. Le palais ducal est édifié à cette époque, comme résidence niçoise des souverains de Savoie. En 1706, le système défensif de la ville est détruit sur une décision de Louis XIV. L'aménagement du port est réalisé de 1770 à 1783, et les terrasses du cours Saleia et la place Vittorio, actuelle place Garibaldi, sont construites. Le Vieux Nice est la partie ancienne de la ville de Nice. Il est animé le jour par de nombreux commerces, pouvant être aussi bien extrêmement typiques, vente d'olives et d'épices de toutes sortes, de légumes locaux ou de fleurs de la région, que très modernes, boutiques de vêtements à la mode, nombreux tatoueurs, ainsi que des galeries d'artistes. La nuit, il est un lieu de rendez-vous et de sortie pour les Niçois. Ses ruelles étroites sont en effet jalonnées de restaurants, de pubs et de boîtes de nuit de toutes sortes. Ses habitants parlent aussi de la vieille ville, Vieille Villa en niçois. Autrefois, le surnom de Babazouk lui était également donné, adaptation locale de l'expression arabe signifiant la « porte du souk ». Le Vieux Nice est bordé, à l'est, par la colline du château. La forteresse en question fut détruite en 1706 par les troupes de Louis XIV assiégeant une nouvelle fois la ville, l'un des boulets tirés par les assiégeants tombant dans la réserve de poudre de la citadelle. Au sud, par la mer et le quai des États-Unis, prolongement de la promenade des Anglais, à l'ouest, par la couverture du Paillon, sur laquelle sont notamment construits la place Masséna et le Théâtre National de Nice, au nord, par la place Garibaldi. Le quartier comprend plusieurs bâtiments administratifs comme la mairie ou encore le palais de justice.
On y trouve aussi l'Opéra de Nice. La vie dans le Vieux Nice, capitale azuréenne des fêtes nocturnes, les ruelles étroites du Vieux Nice sont animées par des restaurants, bars, pubs et boîtes de nuit. Au matin, le caractère authentique de la ville reprend ses droits, et les habitants vont faire leur achat sur le marché du cours Saléa. La vieille ville a cependant lentement perdu son caractère de village depuis les années 1970, les commerces traditionnels de proximité, en particulier les tripiers autrefois très nombreux, ont disparu, faisant place à ceux destinés davantage aux touristes. On n'y entend presque plus parler niçois, alors que la langue locale était très usitée jusque dans les années 1960. Le quartier dispose d'une climatisation naturelle. Les constructeurs niçois ont en effet tiré parti des mouvements naturels des masses d'air et des vents marins pour climatiser la vieille ville. En matière de mécanisme météorologique, un principe énonce que lorsque deux lieux proches ont des températures différentes, un déplacement d'air se crée, ce qui va rétablir l'équilibre thermique. Or, en été, les toits sont surchauffés par le soleil. En revanche, quelques mètres plus bas, les ruelles étroites et profondes sont plus fraîches. Quelques degrés de différence suffisent pour mettre en mouvement l'air. Celui-ci est alors aspiré vers le haut et le linge pendu aux fenêtres sèches avec rapidité. C'est le cas dans toutes les villes disposant d'un réseau de rues étroites. Mais dans le Vieux Nice, certaines particularités architecturales accentuent ce phénomène. Ainsi, les clairoirs, des ouvertures grillagées placées au-dessus des portes des maisons du Vieux Nice qui par leur art et leur diversité contribuent au charme des lieux, ne sont pas seulement des éléments décoratifs. Associées à d'autres éléments architecturaux, elles participent activement à rendre supportable l'atmosphère des étroites ruelles et des habitations, particulièrement lors des canicules estivales. Les clairoirs constituent une prise d'air, comme les volets niçois dotés dans leur partie basse d'un clapet entrebâillé vers la ruelle. L'air aspiré peut alors s'engouffrer respectivement dans le corridor et les pièces d'habitation et remonter dans la cour intérieure de l'immeuble. Ce courant d'air à l'échelle d'une habitation est expulsé par une verrière placée sur le toit et qui elle-même contribue à renforcer encore l'effet de « cheminée thermique ». François Querelle, alias Le Valton Multimédia Concept, vous a proposé une vidéo conçue avec de vieilles cartes postales trouvées sur la toile. Certaines autres sont issues de mes collections personnelles. Comme d'habitude, mes textes sont interprétés par Paul, ma petite voix de synthèse préférée. Mes sources sont issues notamment de mes recherches sur wikipedia.com. Le montage et l'illustration musicale sont conçus avec CyberLink Power Director, Ultimate 365.